Bah, comme vous le voyez derrière, là, il y a ce kiosque journal qui a été ouvert, qui était vide depuis des années. Et ça a été ouvert aussi collectivement, là, on voit qu'il y a plein de gens. Parce que l'information et l'information politique et collective, ça manque de nos jours. Mais à mon sens, ça participe d'un genre de réappropriation collective du quartier où on habite ou alors du quartier qu'on fréquente. Parce qu'il y a plein de gens qui n'habitent pas ici mais qui aiment y venir pour le marché, pour la plaine, pour l'ambiance qu'il y a et pour tout ça. Et donc avec ça, on espère pouvoir proposer un espace où reproposer un peu de... Je sais pas, de littérature, je sais pas si d'opposition c'est un terme exact, mais en tout cas qui laisse à réfléchir sur la politique aujourd'hui et qui passe pas par les élections là, qu'on bassine à longueur de journée. Là on espère déjà au moins le garder pour le week-end parce que c'est le week-end du carnaval et du coup il y a beaucoup de gens qui passent. Et donc le fait d'avoir un lieu comme celui-ci, ça ouvre de belles perspectives et plus longtemps on arrivera à le garder, plus de choses on pourra y proposer. Je pense que ce sera un endroit, si on arrive à le garder. Il y aura des volontaires pour... Oui, voilà. Enfin, je ne sais même pas si on peut parler de volontaires dans ce cadre-là. Il y aura des semi-permanents. Il y a pas mal de gens du quartier qui se réapproprient de plus en plus, à la fois les installations logistiques, mais aussi l'envie de discuter et de se recroiser. Et du coup, à mon sens, c'est à partir de là que toute idée de commune, elle peut naître pour faire un lien avec ce que tu disais sur la commune. C'est à partir du moment où les gens ils ont des espaces dans lesquels discuter, se rencontrer et passer du temps ensemble. Et moi, j'espère qu'un lieu comme celui-là, justement, il ouvre ce genre de perspective.